Gloire à toi, Alléluia, sois le nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire de Dieu. Alléluia. Oh merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur de gloire? Non, je disais qu'on acclamait pour le Seigneur de gloire. Je disais tout à l'heure, quand on est devant les papas, on est obligé d'être un peu plus sérieuse parce que les hommes réfléchissent avec la tête. Même quand ils font l'œuvre de Dieu, ils font ça avec la tête. Ils calculent toutes choses. Mais on est entre femmes, on peut se laisser aller. Donc laisse-toi vraiment aller, sens-toi à l'aise dans la maison de ton père. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Vous savez, moi j'aime conscientiser les gens parce que je n'aime pas les suivistes. Hein? Les gens qui font les choses parce que les autres aussi les font. T'es tout ça là, j'aime les gens qui savent ce qu'ils font. Quand on te dit acclame, tu acclames pourquoi? N'acclame pas parce que je t'ai demandé d'acclamer, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ton professeur, que si tu ne fais pas ce que je dis, je vais te punir. Non. Fais-le parce que tu es conscient de ce que tu fais. Fais-le parce que tu reconnais celui que j'acclame, hein, il est celui qui m'a sauvé. Fais-le parce que quand tu l'acclames, hein, tu me dis, oh Jésus, si ce n'était pas toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je vois ma soeur là tranquille, elle n'acclame pas parce qu'elle n'a pas besoin d'acclamer, je comprends. Peut-être que ce qui je vais acclamer, pourquoi je... les gens acclament, peut-être que c'est la folie. Oui, je respecte son choix, elle n'acclame pas parce qu'on lui demande d'acclamer, elle n'a pas besoin d'acclamer, c'est tout. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu as quitté ta maison, tu t'es dit, je vais à l'église. En fait, tu t'es dit, je vais pourquoi faire. Quand tu venais ici, tu te disais que je vais pourquoi? Alléluia. Voilà l'église d'aujourd'hui. On a mis de côté les priorités pour lesquelles nous sommes appelés. On a mis de côté la personnalité de Jésus ou l'utilité de Jésus dans notre vie. On se laisse aller dans... C'est pour cela que je te disais au début, une femme ne peut pas se laisser aller dans la masse. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Amen. Cherche à te démarquer, à marquer la différence, mais dans le bon côté. Parce qu'il y a aussi des gens qui se sont démarqués dans les songi-songi. On connaît dans le quartier, si on a besoin de connaître les nouvelles qui se passent de l'autre côté, bah, il y a une porte pour qu'elle obéisse. Des commérages. Songi-songi, c'est des commérages. Voilà, les femmes qui se sont démarquées dans les commérages, ils connaissent tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Que ce soit vrai ou faux, mais lui, il confirme ça avec assurance. Mais nous voulons les femmes dans le Seigneur qui se démarquent parce qu'ils servent le Seigneur avec fervence. Vous savez, Dieu, quand il a décidé de créer le monde, quand il a décidé de devenir Dieu, parce qu'autrefois il n'était pas Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis devant le peuple de Dieu? Est-ce que je suis devant celui qui comprend le langage de Dieu? Alléluia. Je disais, autrefois il n'était pas Dieu. Parce que Dieu veut tout simplement dire objet d'adoration.
Quand il était dans l'éternité, il n'était pas Dieu. Il était Elohim. C'est-à-dire celui qui se suffisait en lui-même. Il avait tout en lui. La gloire, la louange, la bénédiction, tout en lui. Il était Elohim, il se suffisait en lui-même. Mais un jour, il a décidé de devenir Dieu. C'est-à-dire de créer les choses pour que ces choses-là servent à son adoration. Et il a créé tout ce que nous connaissons. Les cieux, la terre, les astres lumineux, tout ce qui existe. Et il a créé l'homme. Il lui a donné tout le pouvoir. Domine sur toutes les choses. Nomme les animaux. Ça fait tout. L'homme était un petit prince dans ce monde. Parce qu'il était au contrôle et à la direction de toutes les choses. Malgré le bonheur qu'il avait. Malgré la richesse qui l'entourait. Mais il y avait en lui la solitude. Quelqu'un peut dire avec moi la solitude. Non, dis-le qui est la solitude. Et du haut du trône, Dieu a dit, cet homme que j'ai créé pour qu'il puisse m'adorer, il ne le fera pas bien tant que la solitude sera dans son cœur. C'est pour cela qu'il a dit, il n'est pas bon. Merci. Alléluia. Tout en étant seul dans la solitude, il ne pourra pas exercer l'œuvre pour laquelle il a été créé. Alléluia. Femme, tu es le moteur de l'adoration. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu es femme, le moteur de l'adoration. Il a fallu que tu sois là pour que l'homme réalise l'œuvre de l'adoration. Oh, si j'étais toi, j'allais sortir. Si j'étais à ta place, j'allais sortir. Il n'avait qu'à claquer les doigts pour que tout l'or du monde s'assemble autour de lui. Mais cela ne lui a pas suffi. Il a fallu une chose. Il a fallu que quelqu'un soit là. Il a fallu que toi, femme, tu sois là pour combler le vide de son cœur. Femme, tu es là pour combler le vide quelque part. Alléluia. Ne te minimise pas. Ne dis pas que je suis un être faible. Je ne lis nulle part dans la Bible où on a dit que la femme c'est un être faible. C'est lui qui me contredit, viens me donner le verset. C'est le monde qui les... Oh non, je sais ce que tu vas me dire. L'apôtre Paul a dit, homme, aimez vos femmes comme à des êtres faibles. Naïebi. Je disais, nulle part, la parole de Dieu déclare une femme comme étant un être faible. C'est ce que le monde veut te faire croire, pour enlever dans ton esprit les priorités de ta vie. C'est ce que le monde veut te faire croire, pour te laisser dans la cuisine en train de s'occuper du ménage et de la nourriture. Ce n'est pas à cela que Dieu a été créé. Tu veux savoir une chose? Dieu avait toutes les possibilités du monde pour sauver l'humanité. Parce que quand il avait créé le monde, il a créé comme il voulait, comme il entendait. Il n'avait besoin de personne, de conseils de personne, de l'initiative de personne. Il avait ce qu'il voulait. Pour sauver l'humanité, il avait toutes les possibilités d'ouvrir le ciel et de descendre comme un éclair. Mais tu sais ce que Dieu a fait pour que le monde soit sauvé? Il a fallu qu'il passe par une femme. Oh non, je n'ai pas entendu les femmes. Je n'ai pas entendu les femmes reconnaître cette faveur. Je n'ai pas entendu les femmes reconnaître cette faveur. Le créateur de toutes choses, le Dieu créateur, a choisi ton corps comme le voie vers lequel il devait passer pour sauver l'humanité. Bien que la lumière soit mauvaise. Cela. Longtemps, le monde a voulu écraser l'image de la femme. Autrefois, en Israël, on pouvait parler des hommes. Un homme qui avait
des enfants, 4 ou 5 enfants, on ne pouvait pas citer les femmes, on ne citait que les hommes. C'est pour cela, Jacob avait 13 enfants. Mais aujourd'hui, si on demande à n'importe qui, on sait que Jacob avait 12 enfants. Vous savez pourquoi? Parce que la 13e était une femme. Ignorée. Jésus fait un miracle un jour où il nourrit 5000 hommes. On a dit 5000 hommes, hein? Et puis il précise, c'est Matthieu des hommes. Il précise sans compter les femmes. Alléluia. Alors nous savons tous, dans chaque rassemblement, il y a toujours des femmes qui sont majoritaires. Si tu veux mettre en doute ma parole, fais une expérience pendant un mois. Chaque dimanche, compte le nombre de femmes à l'église et compte le nombre des hommes. Tu verras que les femmes sont toujours nombreuses. Et ce jour-là, il n'y avait pas 5000. Il n'y avait pas 5000 hommes. Parce que comme on n'a pas compté les femmes, on suppose que les femmes étaient peut-être 8000. Même plus, merci maman. Mais ils se sont permis à dire 5000 hommes sans compter les femmes. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il est venu sur la terre pour nous valoriser. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que par lui, nous avons retrouvé notre identité. Gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'en lui, il n'y a plus ni homme ni femme. Lorsqu'il a laissé les gens dans la terre, dans la chambre haute, il est rempli. Vous recevez le Saint-Esprit. Il y avait les hommes hein, et aussi les femmes. Alléluia. Nous voulons danser pour ces Jésus-là. C'est Jésus qui nous a valorisé. Oh, c'est moi qui ai fait tomber ça. Non, I'm not afraid.
Les femmes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous savez ce que je voudrais qu'on fasse maintenant? Tu vas te lever là où tu es, tu vas saluer cinq personnes que tu ne connais pas le nom. Les personnes dont tu ne connais pas leur prénom. Cinq personnes, va les saluer, demande-leur leur prénom. Tu vas sortir aujourd'hui ici riche des cinq prénoms de plus. Les personnes dont tu ne connais pas le prénom, enseigne-toi. Dieu, tu es déjà riche parce que tu viens de rajouter cinq prénoms dans ton répertoire. Tu ne trouves pas que c'est enrichissant d'être dans le Seigneur? Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigué? Ou c'est simplement l'essoufflement parce que vous avez beaucoup dansé? Hein? Voilà, donc on est partagé là. Certains disent qu'on a beaucoup dansé, les autres disent qu'on n'a pas encore dansé. Mais rassurez-vous qu'on va danser, parce qu'on a toute la soirée, non? Alléluia. Laissez les choses entre les mains du Saint-Esprit, comme ça on peut aller jusqu'à demain matin. Est-ce qu'il y a ceux qui sont prêts à aller jusqu'à demain matin? À vous? Alors là, vous me surprenez. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. C'est formidable. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a rassemblés là, parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. Il a un mot à te dire, il a une parole à te dire, il a un cœur à consoler cet après-midi, il y a une larme à relever cet après-midi, il y a quelque chose à faire dans ta vie. Et je ne voudrais pas que ces moments te passent outre. Je veux que tu saisisses ces moments pour écouter Dieu te parler. Peu importe la personne qui se tiendra devant. Peu importe ce que tu es par rapport à elle. Peu importe ta relation ou ta non-relation avec elle. Ce qui est sûr, qu'elle va parler de la part de Dieu. Elle est ce soir la bouche autorisée de Dieu pour te communiquer la vie. Prie maintenant là où tu es. Prie pour que Dieu puisse te parler. Dispose ton cœur à écouter Dieu cet après-midi. Oui, nous avons dansé. Oui, nous allons probablement danser encore. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour écouter Dieu. Nous sommes là pour recevoir quelque chose de la part de ce Dieu-là. Nous voulons t'écouter, cher Saint-Esprit. Toi qui es l'enseignant par excellence, parle-nous. Communique-nous la vie, car nous avons besoin de la vie qui vient de toi. Tu nous connais mieux que quiconque, et tu connais les besoins les plus profonds de nos cœurs.
Tu connais le vide qui ont besoin d'être comblé dans nos cœurs. Alors par ta parole, comble le vide de nos cœurs. Par ta parole, apaise nos souffrances. Par ta parole, console nos cœurs. Par ta parole, relève nos cœurs courbés. Par ta parole, ô Seigneur, apaise les âmes qui sont troublées. Par ta parole, instruis-nous. Jésus, nous voulons t'écouter. L'instrument que tu t'es choisi ce soir pour parler de ta part, qu'elle soit suffisamment utilisée par toi pour donner à ton peuple la nourriture du temps convenable. Car tu cherches des serviteurs fidèles que toi tu as établis pour donner à ton peuple la nourriture du temps convenable. Nous vivons dans un temps critique. L'Église vit dans un temps de turbulence. L'Église vit dans un moment de distraction où nous avons besoin de la nourriture du temps convenable. Jésus, Jésus, parle-nous pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu es disposé à écouter la parole de Dieu? Vous savez, Samuel a grandi dans la maison de Dieu, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Peut-être aussi c'est ton cas. Tu es depuis 10 ans dans la maison de Dieu. Tu es depuis 15 ans, depuis 20 ans dans le service du Seigneur. Mais peut-être que tu ne connais pas encore la voix de Dieu. Et avant que Dieu puisse lui parler, Dieu l'a appelé 3 fois. Mais puisqu'il n'a pas senti sa disposition du cœur, Dieu n'a pas parlé. À chaque fois que Dieu l'appelait, lui il allait vers le sacrificateur Élie pour lui dire, mon père, tu m'as appelé. Élie lui disait, non, va dormir. Il lui envoyait d'aller dormir. Mais lorsque Élie a compris que cet enfant est en train d'être appelé par Dieu, il lui a dit, lorsque tu entendras la voix, réponds seulement, ton serviteur écoute, parle. Est-ce qu'il y a un serviteur qui écoute ce soir? Parce que Dieu ne parlera pas tant que tu ne seras pas disposé à écouter. Si tu es disposé à écouter, lève-toi là où tu es. Nous allons recevoir la bouche autorisée que Dieu a préparée ce soir pour nous apporter la vie. Alors que nous invitons notre maman, pasteur Gisèle, qui s'avance, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Je glorifie Dieu pour ce soir. Vous êtes toutes belles. C'est ça une femme. Mais ce soir, ça ne sera pas maman Gisèle qui va parler. C'est une servante de Dieu. Que Dieu est en train de préparer. Mais vous allez l'entendre. Amen. C'est une servante de l'Éternel. J'ai appelé